Coucou la famille, aujourd'hui on va faire le ndolé sawa, le ndolé royal. Ok, sans plus tarder, allons-y. Pour cette recette, on aura besoin des écrevisses, voilà mes écrevisses écrasées, de l'ail, des oignons, la viande au choix, là c'est les pâtes de porc. Voilà mes arachides que j'ai bouillies pendant 3 à 5 minutes. Du ndolé déjà lavé et bouilli. Voilà, j'ai écrasé les arachides, je réserve. Je vais ensuite écraser 2 oignons avec de l'ail. Je vais réserver un oignon. Voilà. N'oubliez pas la famille, likez, partagez et commentez la vidéo. On va passer à la cuisson. Dans une marmite, je vais ajouter de l'huile. Je vais faire chauffer. Je vais faire revenir les oignons découpés. Ensuite, je vais ajouter ma viande. Si vous avez de la viande fumée, comme la dinde fumée, qui est très bon dans le ndolé d'ailleurs, vous pouvez faire cuire la dinde avec de l'eau et puis ajouter les arachides. Pas besoin de faire frire la viande. Bon, c'est une autre méthode. Donc, on va laisser dorer notre viande. Ensuite, je vais rajouter mes arachides écrasés. Voilà. Les arachides, je l'ai trop écrasé parce que monsieur aime ça comme ça. Normalement, on n'écrase pas trop les arachides. Voilà. On va mettre au feu. On va remuer. On va laisser cuire. Lorsque vous faites bouillir les arachides au préalable, ça réduit le temps de cuisson. Donc voilà, j'ai rincé mon bol et j'ai rajouté juste un peu d'eau. Je vais laisser cuire. Je couvre la marmite d'un côté. Voilà, on ne va pas couvrir complètement. Je vais regarder mes arachides et maintenant il est temps d'ajouter les condiments écrasés comme l'oignon et l'ail. Donc, et si vous aimez du piment, vous pouvez rajouter. Là, j'ajoute du sel. Moi, les enfants n'aiment pas du piment, donc moi, je prépare son piment et après, j'ajoute du piment sur le mien. Voilà, donc on va remuer les condiments et les arachides, comme vous voyez là. On va encore laisser cuire. Voilà, les arachides sont prêts. Vous voyez la couleur. Je vais rajouter là le bouillon de cube qui est facultatif, bien sûr. On va remuer et maintenant on va rajouter notre ndolé. Là, je vais rajouter au fur et à mesure parce que, en fait, ça dépend de la texture que vous voulez. Il y en a qui aiment quand il n'y a plus des arachides, il y en a qui aiment quand il n'y a plus de feuilles de ndolé. Donc, moi, je vais faire à ma texture souhaitée. Donc, je vais rajouter au fur et à mesure, je vais remuer. Et voilà ma texture recherchée. Maintenant, je vais rajouter les écrevisses. Voilà, on va faire encore le mélange. On va laisser cuire quelques minutes. À présent, je vais rajouter mes pâtes de porc. Voilà, et je vais encore une fois de plus faire le mélange, laisser cuire. Pendant ce temps, dans une poêle, je vais faire revenir mes oignons. Si vous avez des crevettes fraîches, vous pouvez faire revenir des crevettes et des oignons en même temps. Pour cette fois, je n'ai pas les crevettes, donc je vais juste faire revenir mes oignons. Voilà. N'oubliez pas la famille, abonnez-vous, likez les vidéos, commentez. Voilà, les oignons sont prêts. Je vais renverser dans la marmite de ndolé. Voilà, je réserve le reste pour le service sur la table. Ok, voilà, on va faire le mélange et on va baisser le feu et on va laisser l'huile remonter. Voilà notre ndolé. Vous voyez la texture. Vous voyez, le ndolé était bien vert. Vous voyez comment l'huile est remontée et c'est vert. Oh, la famille, c'est très doux, très très doux quand on ajoute du piment. Ok, merci d'avoir regardé jusqu'ici, la famille. Je vous dis un très grand merci. Au revoir, à bientôt pour d'autres recettes.